Bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, je vous montre donc le glitch que j'avais pas réussi à faire, enfin le glitch, l'utilisation d'un glitch qui me permettait donc d'accéder directement à cette plateforme. Donc je me souvenais plus exactement où c'était. Donc c'était ici. Donc là, je tourne en off. Enfin, j'ai déjà tourné ça. J'avais oublié que de réactiver le son sur Fraps pour que ça freine la vidéo directement. Et donc là, on va pouvoir récupérer le quart de cœur directement. Vous voyez, hein. Donc c'est un épisode également très court. Hein. Je mets même pas mon introduction pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a pas besoin et que c'est juste pour vous prévenir que bon. Donc là, je pense que je vais finir en off. Je peux finir en off le temple de l'esprit. Ça me dérange beaucoup moins. J'adore ce donjon, donc ça me dérange absolument pas de le faire en off. Donc voilà, donc je tournerai en off le reste et au moins ça vous a permis de montrer. Enfin, je suis permis de vous montrer le glitch où j'ai passé, je sais pas, genre 40 minutes dessus, peut-être en tout, dans l'épisode de Let's Play de Reborn, là, l'épisode 2 que j'ai posté il y a pas longtemps. Enfin voilà. Du coup, là, on va tomber. Je pense que je vais faire un saut. Boum! Un mi-cœur. Boum! D'ailleurs, ça, c'est un truc qui change. Enfin, c'est un truc qui est assez particulier. C'est qu'on peut, en fonction de la distance à laquelle on saute, si on se fait mal. Si on n'est pas trop haut, on perd qu'un demi-cœur. Si on saute de très haut, on perd un cœur entier. Ça, j'ai trouvé ça bien fait aussi de pouvoir prendre plus de dégâts si on saute de plus haut, évidemment. Ça paraît plus logique. Ah bon. Je vous dis à plus sur YouTube. Et à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao! Ouh, j'ai failli mourir.